Le cri du cœur des partisans de Shinzo Abe après sa victoire. Le premier ministre japonais a été largement réélu à la tête de son parti libéral-démocrate. Une victoire qui devrait assurer à ce conservateur un record de longévité aux commandes du pays jusqu'en 2021. Malgré ce vote de confiance des élus, de sa formation et des militants, Shinzo Abe a fort à faire pour tenir ses promesses. Maintenir une croissance poussive tout en maîtrisant une dette colossale et des dépenses sociales grandissantes liées au vieillissement de la population. Il envisage notamment une hausse de la très impopulaire taxe sur la consommation. Animé par une forte fibre nationaliste, Shinzo Abe veut aussi réformer la Constitution pour doter le Japon d'une armée plus offensive.